Boker Tov, tout le monde. Chodesh Tov, Mouzat Hashem. Chodesh Iyar. Rabbi nous dit Iyar, c'est Ani Hashem Rofecha. Iyar, c'est Aleph. Et Yud et Resh. Aleph, c'est Ani. Yud, de Yud, c'est Hashem. Et Resh, c'est Rofecha. C'est-à-dire, je suis Hashem qui te soigne. Donc, Bezat Hashem, c'est un mois où il va y avoir la refoua Shlema pour tous les malades, Bezat Hashem. Que tous ils soient guéris, toutes les maladies, et que tous on soit guéris, toutes les maladies, les maladies du corps, les maladies de la tête, toutes les maladies qui peut y avoir, Bezat Hashem, que je beaucoup nous guérisse. Alors, on est arrivé dans la page 15, « Vezeperush la Shemesh sal sam ohel baem ». Et ça, c'est ce qui est écrit que dans le verset que la Shemesh Samuel Baem, que Hachem il a placé une tente pour les protéger du soleil. Qui a tzadik nikra Shemesh. Le tzadik qui s'appelle le soleil. Comme ils ont dit nos chachamim dans le Talmud, dans Kiddushin, ad shelo shaka shimsho shel Eli. Avant que ne se couche le soleil de Eli à Cohen, qui était à l'époque du Mishkan de Shiloh, alors s'est levé le soleil de Shmuel, de Shmuel Anavi, du prophète Shmuel. Adjelo Shaka Shimchocha Eli, donc on voit ici que Eli à Cohen, qui était le tzaddik de la génération, c'est le Cohen Gadol. Lui, il est considéré, il est appelé le soleil. Vezarach Hashemesh ou Ba Hashemesh. Et le soleil a brillé, s'est levé et le soleil s'est couché. Uzrichato shel tzadik haynu asagato eno ela al yed Israël. Maintenant, comment le tzadik brille, comment le tzadik se lève, c'est-à-dire asagato, c'est-à-dire. Ça veut dire le tzaddik il brille, ça veut dire il arrive à atteindre des compréhensions d'Hachem. Et Noéla allié d'Israël, ça n'est que grâce au Ham Israël. C'est-à-dire le tzaddik, il est entièrement lié au Ham Israël. C'est-à-dire il n'y a pas un tzaddik qui est un tzaddik en indépendant. C'est-à-dire que le tzaddik, il n'est pas tzaddik de par lui-même. Quand c'est un tzaddik qui s'appelle un tzaddik, c'est que par rapport au Ham Israël. Que Mahamar lech red kishichet amecha. Comme c'est écrit, va, descend. Donc ça, c'est le coucher du soleil. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, descend parce que ton peuple a fauté. Et d'un autre côté, il lui a dit, kloum natate lecha gdola ela bishvil Israël. Je ne t'ai donné, il n'y a aucune raison que je te donne de la grandeur que pour le Ham Israël. Alors d'un côté, on voit que la Zricha, c'est-à-dire le tzaddik qui monte, qui s'élève, ça n'est que pour le Ham Israël. Et le tzaddik qui descend, c'est que à cause du Ham Israël. Donc quand Kadosh Baruch Hu lui a dit « descend », il a dit à Moshe Rabbeinu « descend » quand il a fait la faute du veau d'or, Maaseh lui a dit « descend », ça veut dire que il lui a dit « écoute, t'as pas pu les aider ». Donc tu descends. Donc tu descends, c'est tout. T'as pas pu les faire sortir de là où ils sont. C'est-à-dire qu'ils ont fauté, ils ont fait le veau d'or. Donc tu descends. Tu peux pas rester au niveau où tu es, puisque maintenant ça veut dire ce que tu avais compris, tu l'as pas compris puisque tu n'es pas arrivé à l'utiliser pour les faire sortir de là où ils sont. Donc tu descends. Et d'un autre côté, il y a aussi Hachem dit à Moshe Rabbeinu, sache que toute la grandeur que je t'ai donnée, ce n'est que pour le Ham Israël. Il n'y a aucune raison que je te donne une grandeur pareille si ce n'est pour le Ham Israël. Donc tout ce que le tzaddik il atteint comme niveau, c'est uniquement par rapport au Ham Israël. Donc dans le monde, c'est la même chose, c'est-à-dire que tout celui qui a une place
qui a une place où il transmet, c'est-à-dire tout le monde se trouve à un endroit où il reçoit et où il transmet aussi. Alors celui qui transmet, il doit savoir que tout ce qu'on lui donne, c'est uniquement pour transmettre. Et si quelqu'un, il prétend savoir quelque chose, alors on va lui donner des gens qui correspondent à ce qu'il sait, et il va devoir les aider à s'élever grâce à ce qu'il sait. Et si maintenant ce qu'il sait, ça ne sert pas aux autres à s'élever, donc ça veut dire qu'il ne sait pas, les mains. Il croit qu'il sait, mais il ne sait pas. Donc ça commence par au début, ça commence par un père de famille, c'est-à-dire qu'un homme, il est responsable de sa femme et ses enfants, c'est-à-dire il peut leur transmettre. S'il n'arrive pas à leur transmettre, ça veut dire que lui-même, il a un problème de connaissance, parce que du moment où un père est père de famille, ça veut dire qu'il peut transmettre. Il a des choses à leur dire et il peut les aider. Du moment où maintenant, il n'est pas capable de le faire, ça veut dire qu'il a un problème dans sa conception des choses, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé à transmettre, ça veut dire qu'il y a eu un problème à un moment dans l'approfondissement et l'intégration de la connaissance. Donc Hachem il prend le tzaddik sur deux niveaux, il lui dit d'un côté tout, je vais te donner de la grandeur, toute la grandeur que je te donne, c'est pour le Ham Israël, mais tu fais attention parce que si maintenant tu n'arrives pas à les aider avec ce que je te donne, alors tu vas descendre. C'est-à-dire, ça va te faire descendre. Alors, c'est un principe général de tout individu sur Terre. Tout le monde est en même temps qu'il reçoit et en même temps il transmet. Alors, sur le point où il transmet, il faut savoir que tout ce qu'on lui donne, c'est pour transmettre. Et cette transmission-là, il va la prouver par rapport à la réussite de ses élèves. C'est-à-dire de ses enfants, d'abord de sa famille, de sa femme, de ses enfants, et après de ses élèves, s'il a des élèves. Il n'y a pas un professeur qui peut venir et dire « Mes élèves, ils ont échoué à l'examen parce qu'ils sont nuls. » Il n'y a pas d'élèves qui sont nuls. Il n'y a que des professeurs qui sont nuls. Mais des élèves qui sont nuls, ça n'existe pas. « Vezeu ohel baem » Donc tout ça, on a ouvert, on en a parlé beaucoup déjà dans le Nyan de cette Torah. « Vezeu ohel baem » Et c'est ça que Ohel Baem, Ohel, la chanson Zrichato. Qu'est-ce que c'est Ohel? Ohel, ça veut dire briller. Briller, c'est ça Ohel. C'est-à-dire que Ohel, ça veut dire tente, mais tente, ça veut dire briller. Ça veut dire que le même mot, il est utilisé dans son sens de fonctionnel. Et dans son sens aussi du but. Parce que normalement, un OL, c'est une tente. Une tente, c'est fait pour cacher du soleil. Alors, quand tu dis OL, comment OL, ça veut dire Zrichato? C'est-à-dire, comment le OL, ça veut dire que le sentiment, la lumière du soleil. Comment on peut dire éclairage, alors que ça veut dire, en même temps, ça veut dire la tente? Parce que c'est ça le système de l'éclairage. C'est-à-dire, comment tu vas éclairer? C'est quand tu vas trouver une tente, c'est-à-dire tu vas trouver comment transmettre, adapter la chokhma au monde. C'est comme ça que tu vas arriver. Maintenant, tu as des élèves. Si ces élèves-là, ils ne comprennent pas, ça veut dire que tu as un problème de langage, c'est-à-dire d'adaptation de la connaissance par rapport aux récipients des gens. Il y a des gens qui ont certains récipients et il faut adapter le langage. C'est-à-dire, tu as quelqu'un qui a vécu dans sa vie des épreuves, ou tu as des gens qui viennent de certains milieux sociaux, d'autres qui viennent d'autres milieux, etc. Tu dois être capable de transmettre à tous ces gens-là dans un langage qui est différent, qui est adapté à chacun d'entre eux. Donc le Ohel, c'est lui qui fait briller la lumière. C'est-à-dire le Ohel, c'est la révélation. C'est-à-dire le principe de l'attente, c'est ça qui révèle. C'est-à-dire, tu dois trouver une tente, c'est-à-dire comme un abat-jour, comme quelque chose qui adapte la lumière
à celui à qui tu vas transmettre. Et si maintenant tu n'as pas trouvé, alors tu dois chercher, tu dois faire tshuva, tu dois chercher. Comme le massé du Baal Shem Tov, quand ils sont venus, ses élèves, ils ont dit, on a été dans un endroit, mais là-bas, les gens, ils n'écoutent pas. Alors le Baal Shem Tov, il leur a dit, allez faire tshuva. Alors ils ont compris, ils ont fait tshuva. Après, ils sont retournés, les mêmes gens, ils ont écouté. Donc, c'est pour ça qu'on voit, et les gens, ils se disent, ouais, mais comment le Ham Israël, tellement il a souffert, etc., dans le monde. Pourquoi le Ham Israël, il a tellement souffert? Pourquoi il souffre tellement? Pourquoi il y a tellement de problèmes? Parce que le Ham Israël, il est responsable de l'humanité. Le Ham Israël, il ne peut pas dire c'est la faute des autres. Comme un père, il ne peut pas dire c'est la faute de mes enfants, c'est la faute de ma femme et de mes enfants. Si j'ai échoué dans ma vie, ou s'ils ont échoué, c'est parce qu'ils n'écoutent pas, ils ne veulent rien savoir. Un père, il ne peut pas dire ça. Si maintenant quelqu'un, il parle en chinois à un espagnol, alors c'est normal qu'il ne comprend pas. Parce qu'il ne comprend pas, il comprend pas le chinois. Donc, de quoi t'es en train de parler? Donc, Hachem, il t'a donné des enfants, alors casse-toi la tête pour trouver leur langage. Tu es porteur de leur langage, tu as une garantie du moment où c'est ton épouse et c'est tes enfants, c'est sûr que tu as le langage adapté à eux. C'est sûr. Tu ne peux pas dire, ouais, mais ils ne veulent pas écouter. Il n'y a pas, ils ne veulent pas écouter. Casse-toi la tête, fais tshuva, pleure, lève-toi, chatzot, fais des teilim, débrouille-toi, fais tshuva, tarshuv, hey, ramène le youv vers le dalet. Ramène le youd vers le dalet, ramène ce que tu sais, mets-le dans ce que tu es. Fais un rapport entre ce que tu sais et ce que tu es. Essaye d'être ce que tu sais. Essaye de vivre ce que tu sais. Et essaye de si tu n'arrives pas, il faut que tu pries sur ce que tu sais. Du moment où tu pries sur ce que tu sais, ça veut dire que tu es dans la voie d'appliquer ce que tu sais. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir transmettre ce que tu sais aux gens dont tu es responsable. Mais il n'existe pas de mauvais élèves. Mon cher Abenou, Hachem, il lui dit, tu descends du moment où eux, ils ont fait le veau d'or, toi, tu descends. Maintenant, mon cher Abenou, il peut venir dire, ouais, mais qu'est-ce que je peux faire? Moi, je leur ai transmis la Torah, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Comme les gens disent, moi, j'ai fait mon cours, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Je ne sais pas si jamais vous avez assisté déjà dans un cours à l'université, je ne vous souhaite pas. Mais en tout cas, quand vous êtes un cours à l'université, il rentre le monsieur, il est en bas, et tout le monde est assis dans les amphithéâtres. Et il rentre, mademoiselle, monsieur, bonjour, tac, il commence, il fait son truc, il finit, au revoir, il s'en va. Que vous soyez là, que vous ne soyez pas là, que vous dormez, que vous arrivez une crise cardiaque, n'importe quoi, ça ne change rien du tout. Et lui, ça continue. C'est monotone. C'est un speech, c'est tout. Tu es attrapé, tu n'as pas attrapé, c'est ton problème. Maintenant, la Torah, ce n'est pas comme ça. La Torah, il faut la faire vivre aux gens. Si tu ne peux pas faire vivre la Torah aux gens, il vaut mieux que tu restes tranquille. Il vaut mieux que tu ailles dormir parce que sinon, non seulement tu vas leur faire perdre leur temps à eux, mais en plus tu vas payer pour ça. Tu peux pas venir prétendre être un médecin si tu n'es pas capable de soigner les gens. Si tu n'es pas capable de soigner les gens, alors change de métier, c'est tout, fais autre chose. Ça veut dire que tu n'as pas compris la Torah, tu ne l'as pas intégrée. Alors tu ne peux pas la transmettre. C'est pour ça que la tente elle-même, c'est-à-dire l'endroit, cette tente qui est faite pour protéger du soleil, c'est elle-même qui fait briller la lumière. Parce que c'est quand tu as trouvé l'abat-jour, c'est-à-dire la mesure correspondante à l'élève, c'est ça qui s'appelle révéler la lumière. Ce n'est pas de mettre une lumière forte qui brûle tout le monde. C'est pas ça, il faut mettre une lumière qui soit adaptée exactement à la personne. Alors maintenant, nous, Hachem, il nous a dit, moi je ne connais que vous dans le monde, c'est tout.
vous, vous êtes les responsables de l'humanité. Moi, je connais personne d'autre. Hachem, il a amené le déluge. Il a dit à Noir, c'est toi qui es des responsables du déluge. Et tout. Moi, je connais personne. Toi, tu as la conscience d'Hachem. Toi, tu es religieux, soi-disant. Alors, tu es responsable de tous les gens qui ne sont pas religieux, c'est tout. Toi, tu connais Hachem. Tu te prétends quelqu'un qui connaît Hachem. Donc, tu es responsable de tous ceux qui ne connaissent pas Hachem. Et ne dis pas, il ne veut pas. Parce qu'il n'y a personne qui ne veut pas. Il est vivant. Ça veut dire qu'il veut, c'est tout. S'il ne voulait pas, il serait mort. S'il est vivant, ça veut qu'il cherche la lumière. Si quelqu'un est vivant, ça veut dire qu'il consomme de la lumière, parce que sinon il serait mort. Alors cette lumière qu'il consomme, c'est la lumière d'Hachem. Que maintenant il la consomme en allant à un concert de musique, ou allant dans un restaurant, ou allant jouer au PMU, ou en cherchant des articles de mode, ou en voulant voyager, ou en voulant faire du ski nautique ou du deltaplane. Ça, c'est qu'une interprétation de la lumière qui vient du fait qu'il n'y a pas de récipient. Donc les gens, ils vont vers la lumière et se brûlent. Ils se brûlent dans des sports extrêmes, ou même dans des sports qui ne sont pas extrêmes, mais dans des choses qui sont complètement à côté de la reconnaissance d'Hachem. Mais ça ne vient pas, ce n'est pas de leur faute à eux, parce qu'eux, ils cherchent la lumière. Donc eux, quand ils vont au Bataclan ou ils vont au n'importe où, ils cherchent la lumière. Ils cherchent de la lumière, ces gens-là. Qu'est-ce que quelqu'un va aller faire le soir, à 8h du soir, ou un truc, jusqu'à 11h, ou minuit, ou 1h du matin? Je sais pas, il peut dormir, il peut être chez lui, il peut prendre son repas du soir et aller dormir. Mais il a besoin de lumière, alors il cherche de la lumière. Maintenant, si sur le marché, il trouve que ce genre de lumière-là, qui sont des lumières, qui, au lieu que c'est des lumières qui rassasient, c'est des lumières qui explosent les récipients et qui rend les gens encore plus frustrés qu'avant. Pourquoi ces gens-là, ils sont là-bas? Parce que il n'y a personne qui s'occupe d'eux, c'est tout. Il n'y a personne qui s'occupe d'eux. Si maintenant il y a un enfant qui fait des bêtises, qui est-ce qui est responsable? C'est les parents qui sont responsables. On ne va pas dire qu'un enfant, il est responsable de ce qu'il fait. Si un enfant, il casse la vitre du voisin, alors les parents, ils doivent payer la vitre, c'est tout. Ils sont responsables. Mais les parents, ils vont dire, mais c'est pas moi, nous, on n'a pas... Vous n'avez pas cassé, mais c'est à vous d'éduquer votre enfant. Si votre enfant, il va casser les vitres, ça veut dire que vous avez un problème, c'est tout. Vous ne savez pas vous occuper de lui. Alors, soit maintenant, vous occupez de lui, soit on vous l'enlève, c'est tout. Mais tu ne peux pas dire, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il n'y a pas de ce que j'avais à faire, il faut que ça marche. C'est un domaine où tu ne peux pas te retirer. Rabbeinu, il dit ici, dans cette Torah, ce que Rabbeinu, il amène, c'est pas un truc où tu peux... Les gens, aujourd'hui, ils ont des problèmes, ils envoient balader la chose. Ils ont un problème, Shalom Bayit, ils disent, bon, tant pis, elle veut rien comprendre, ou il veut rien comprendre, ben tant pis. Mais il n'y a pas, c'est pas comme ça. C'est pas bon, tant pis. C'est pas, il n'y a pas un yann comme ça. Ça n'existe pas, tant pis. Noir, il ne pouvait pas dire tant pis. Eh ben tant pis, que l'humanité, elle s'en aille, qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'ai construit l'arche et ils n'avaient qu'à faire tchouva, hein, qu'est-ce que je peux faire? Hachem, il l'a responsabilisé entièrement du déluge. C'est lui qui a pris les responsabilités du déluge. Parce qu'il n'a pas fait ce qu'il avait à faire, c'est tout. Ah, maintenant, tu leur parles, ils ne comprennent rien. Ok, prie. Prie. Prie, tu vas recevoir des langages. Tu vas télécharger des langages quand tu vas prier. Quand tu pries, qu'est-ce que tu fais? Tu fais descendre la chokhmah, tu fais descendre la connaissance dans le vécu. Ouais, tu fais descendre la connaissance dans le cœur pour la vivre. Une fois que tu vas vivre ta connaissance, tu peux la transmettre. Une connaissance que tu n'arrives pas à transmettre, c'est parce qu'elle n'est pas vécue, c'est tout, tu ne la vis pas. Elle n'est pas dans ton cœur. Pour ça, tu peux la... Alors aujourd'hui, les gens, ils ne se cassent pas la tête. Ils voient que ça ne marche pas. Ils en voient balader. Mais ce n'est pas comme ça. Jamais, il n'a pas créé le monde pour que les gens, ils en voient balader. Quand tu vois que ça ne marche pas, alors casse-toi la tête, c'est tout. Casse-toi la tête. Cherche à ce que ça marche. Cherche à ce que ça marche. Va, pleure, lève-toi à Hatzot, va au Kotel, va au Man, fais des Tehillim. Mais il faut que ça marche. Tu ne peux pas, c'est ta responsabilité.
Tu crois que tu vas changer de job quand tu veux, c'est toi qui décides. C'est pas toi qui décides, il y a un patron dans l'Olam. S'il t'a mis dans ce poste-là, ça veut dire que c'est ton travail. Si maintenant, s'il veut t'enlever de ce poste, alors il va t'enlever. C'est pas, t'en fais pas. Mais toi, tu peux pas démissionner. Toi, tant qu'on te met pas à la porte, tant que tu te reçois pas ta lettre de renvoi, toi, tu peux pas démissionner. Parce que tant que t'es en poste, ça veut dire qu'il y a une mission. Et tu dis, ouais, mais j'arrive pas, je parle et elle veut rien comprendre, ou les enfants ils comprennent rien, etc. Tant que tu as ton poste, ça veut dire que tu es capable de travailler. Donc il y a des méthodes. Si maintenant tu n'as pas trouvé le langage, alors tu vas prier, c'est tout. Tu vas prier. Vaïsev Chizkiyahu Panavelakir, Chizkiyahu Amelech, il a tourné son visage vers le mur, et Rabbeinu dit vers les parois de son cœur. Il a compris que il fallait se tourner vers les parois de son cœur, c'est-à-dire il fallait faire descendre la connaissance dans son cœur, et à ce moment-là tu peux la transmettre à tout le monde, parce qu'après tu vas voir la bina, et la bina c'est avec la bina tu as tous les langages du monde. Parce que la bina, c'est la déduction, c'est-à-dire du moment où tu as la connaissance associée avec la déduction, donc tu peux arriver à faire une déduction de cette connaissance dans tous les domaines qui existent. Et il y avait, à Ouman, il y avait Rav Levi Yitzhak, et à la Vachalom, il enseignait au Cheder. C'était pas comme aujourd'hui qu'il y avait des classes. Il n'y avait pas de classe. Dans la même classe, il avait des élèves de 3 à 17 ans. C'est-à-dire il enseignait en même temps la Lefbet et le Chumash et la Mishnah et la Gemara. Dans la même classe, en même temps, à tous les élèves, en même temps. Pas aujourd'hui, c'est déjà quadrillé, c'est-à-dire on donne à une personne qu'un certain nombre d'élèves par rapport à un certain enseignement, soit le Chumash, soit la Mishnah, soit la Gemara, etc. Mais avant, c'est pas comme ça. Les gens, ils pouvaient enseigner à tous les élèves en même temps. Et ils tenaient tous les élèves. Tous les élèves, ils arrivaient en même temps à faire le cours de Gemara, et la Lefbet au petit, et le Chumash à celui-là, et la Mishnah à l'autre, tous en même temps. Parce que c'est des gens qui étaient pétris de Torah, c'est-à-dire ils étaient entièrement de la Torah. Ils n'étaient pas autre chose. Ce n'est pas des enseignants de connaissances. C'était du vécu. Ce n'est pas des enseignants de connaissances, comme un entraîneur. Un entraîneur qui vit ce que son sport, alors il est capable d'entraîner des enfants, il est capable d'entraîner des adolescents, des adultes, tout le monde, il est capable, toutes sortes de gens, il est capable d'entraîner. Donc ça c'est le principe de... Est-ce qu'on a le droit de forcer, de mettre une tente par rapport au soleil, jusqu'à temps que... pour gagner du temps, pour pouvoir prier que la chose s'arrange. Ou on n'a pas délai de patrie pour prier. Donc si, par exemple, il y a un épaillon, je sais pas, un petit ventre qui a en ce moment, quand on fume Shabbat, on décide d'ouvrir des magasins, est-ce qu'on va forcer, on va dire non, nous sommes les patrons, alors on va faire, en attendant, on espère qu'on va prier, les religieux vont prier, les religieux vont prier pour faire comprendre, que si ça n'avait pas à Shabbat, passer ça au peuple, ils vont prier à Dieu d'ouvrir le cœur des gens pour que ça, ou non, pour le fratrie là, il faut user la force, et en parallèle, prier, pour pouvoir ouvrir le cœur aux non-religieux, pour qu'ils puissent comprendre eux-mêmes qu'il ne faut pas ouvrir le Shabbat. Je comprends ce que tu veux dire, c'est très délicat, parce que quand tu utilises la force, tu fermes le cœur de l'autre, tu comprends ? Donc tu recules, et c'est difficile de faire les deux en même temps, c'est-à-dire tu ne peux pas avancer et reculer en même temps, parce que quand tu utilises la force, ça veut dire que tu obliges la personne à faire quelque chose avec lequel elle n'est pas d'accord. Toi, tu dois t'arranger à ce qu'il soit d'accord. Rabbeinu rapporte, c'est la halakha, c'est écrit que
אלו המשפטים אשר תשים לפניהם. Voilà les lois que tu veux placer devant eux. Alors Hachem dit, placez devant eux comme une table, comme une table qui est servie. Tu leur places pas la Torah comme des pommes de terre qui sont crues, tu comprends? Il faut que ça soit prêt à être mangé et qu'ils aient envie de le manger, que ça donne envie de le manger. Donc maintenant, si des gens ils gardent pas Shabbat, si tu utilises la force pour les faire garder Shabbat, en attendant que tu pries, tu fais les deux trucs à l'envers. C'est-à-dire que toi, occupe-toi de faire ton travail. Et eux, ils vont faire leur travail. Eux, ils viendront. Et si maintenant, on n'arrive pas à ce que les gens ils fassent Shabbat, ça veut dire qu'on n'a pas fait descendre assez de langage dans le monde. Comme des fois, tu as des programmes, ils sont en trois langues, c'est tout. Ils sont en anglais, en français et en russe, par exemple, c'est tout. Si tu ne parles pas ces trois langues, ben, tu ne peux pas utiliser le programme, c'est tout. Mais le HM, c'est le programme de toute l'humanité. Donc il faut que tu trouves le langage de chacun. Si maintenant, tu ne peux pas obliger des gens à faire Shabbat. Tu ne peux pas les obliger. C'est parce que tu es en train de... Quand tu vas l'obliger... Lui, il est en position de rejet. Donc, qu'est-ce que tu vas faire quoi? Tu vas rien faire du tout. Je veux dire que le moment de prier, ça va pas être plus fort que de passer toutes ces barrières qu'on n'a pas pu encore. T'es en retard, c'est tout. Non, donc ça sert à rien. Vaut mieux que prier. Tu vois bien. C'est bon, c'est pour, par exemple, la famille, disons, on a un enfant, qui on le voit, il a l'internet et tout, tous les trucs. Maintenant, ça sert à rien de lui dire, c'est comme ça, moi je te coupe ton internet, en attendant, et on va prier en parallèle, au mieux que prier, que dans le domaine de la prière. Il faut prier, et il faut t'occuper de lui aussi, pas que prier. Si la personne n'a pas eu, si elle est dans cette situation, c'est qu'elle n'a plus encore dans le sud, elle n'a pas su faire passer le langage. Oui, mais il y a un langage, il faut juste le chercher. Si elle n'a pas trouvé, il faut qu'elle d'urgence qu'elle trouve. Il faut que d'urgence elle trouve le langage adéquat. Mais l'enfant, tu ne peux pas le responsabiliser d'aller manger dans les poubelles si tu ne lui as pas donné à manger, tu comprends? Tu peux pas lui dire ne va pas manger. Par rapport à la société, elle est beaucoup plus forte que soi-même. Non, elle n'est pas plus forte, elle n'est rien plus fort. Seulement, il faut que tu crées une tente. Par rapport à lui où il est, dans par rapport au père où il est, si le père il est en retard, alors il est en retard, qu'est-ce que tu veux faire? Mais Bezrat Hashem, Hashem il va l'aider qu'il puisse avancer. Mais il faut qu'il se mette au travail. Le travail principal, c'est dans la recherche d'application. C'est pas d'amener de la Torah qui ennuie le monde. Il faut pas que la Torah elle ennuie le monde. Il faut que la Torah elle attire le monde. Il faut pas de la Torah qui ennuie. Il faut de la Torah qui donne envie. Donc il y a des pères dans leur maison. Ils ennuient avec leur Torah. C'est-à-dire la Torah elle ennuie. Ils sont pas sympas. C'est-à-dire que ce n'est pas une Torah sympa, ce n'est pas une Torah qui donne envie de rigoler, qui donne... c'est une Torah de gens vinaigrés, de gens qui sont pas bien. Alors comment tu veux maintenant arriver à ce qu'un enfant il aime ça? Très difficile. En Israël, c'est la même chose. Si on ne classe pas le clivage qu'il y a entre religieux et pas religieux, tu ne peux rien faire. Parce que les religieux, ils sont toujours responsables. Par rapport à Hachem, du moment où tu as compris, tu es responsable. Du moment où toi, tu es capable de vivre la chose, c'est que tu es responsable. Pourquoi tu serais arrivé à vivre la chose? Tu es responsable, c'est-à-dire que tu as une possibilité de transmettre. Maintenant, tu vas dire, ouais, mais moi, je ne sais pas comment. Voilà, déjà, tu as ta femme et tes enfants. Et après, les gens que tu peux aider, ils vont venir chez toi. Ils vont venir vers toi. Mais quand ils viennent vers toi, il faut que tu aies quelque chose à leur donner. Il faut que tu aies une écoute à donner. Mais si maintenant on arrive à des crises de, de,
si tu veux, dans l'éducation, à des clashs des fois dans l'éducation, c'est parce que les parents, ils sont en retard. Ils sont en retard, c'est-à-dire qu'ils ont un langage qui se parle plus, qui se parle plus aujourd'hui. Donc ils sont en train de parler une langue qui se parle plus, et avec ça, ils veulent que les gens y comprennent. Mais ça marche pas comme ça. Si quelqu'un ne comprend pas, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il ne comprend pas, c'est tout. Il est là, il est à la maison. Mon cher Abedon, plus grand que mon cher Abedon, on ne peut pas trouver. Si lui aussi, il a fallu qu'il descende pour apprendre au peuple qu'est-ce qui est l'amour de la Torah et tout ça, qu'elle va former des gens de chutine comme nous. C'est sûr. De toute façon, ce... des difficultés à faire passer à l'envie d'un enfant plus aimé quelque chose que l'autre. Bien sûr. Mais ça, si tu veux ce que tu dis, c'est normal parce qu'il y a toujours un... Il y a toujours, si tu veux, un décalage toujours entre Chokhma et Malchut, tu vois, entre le Yud et le Dalet. Il y a toujours un décalage, parce que le Yud, il arrive toujours avant le Dalet. Jamais le Dalet, il vient avant le Yud. Comment tu veux que le Dalet, il vienne avant le Yud, puisqu'il sait même pas, il sait pas ce que c'est. Donc la lumière, elle arrive toujours avant le récipient. Donc au début, quand la lumière elle arrive, il y a toujours des clashs, c'est tout à fait normal, puisque le récipient, il n'a pas encore eu le temps de s'adapter au langage, il n'a pas trouvé le langage encore, c'est tout à fait normal. Donc même Moshe Rabbeinu, il n'était pas adapté au Matan Torah, si tu veux. Lui-même, c'est-à-dire pour leur faire comprendre, même si maintenant tu dis, mais les Maasé... Tant qu'il y avait Moshe Rabbeinu, eux, ils n'osaient pas bouger, ils ne faisaient rien de mal parce qu'il y avait Moshe Rabbeinu. Maintenant, ils se sont trompés dans le calcul, quand ils devaient revenir, etc. Ils ont fait le veau d'or. Mais ça aussi qu'ils se sont trompés dans le calcul, que ça aussi, ça vient du tzimtzum, de la contraction de la lumière. Donc, c'est pratiquement inévitable. C'est comme quand Hachem il a créé le monde. C'était inévitable que le monde se détruise avant de se construire. Puisque maintenant, la lumière, elle vient avant les récipients. Donc, il y a toujours une destruction qui va être préalable à la construction. Et quand on dit « Yerida letzorecha aliyah », qu'on descend pour monter, il y a toujours une descente pour pouvoir monter. Parce que c'est impossible de commencer par la montée. Ça commence toujours par la descente. Parce que la descente, elle est faite pour aller chercher le langage qui correspond à la nouvelle lumière qui est arrivée. Il faut adapter ça au langage des gens, au récipient des gens. Donc il y a toujours une descente, c'est normal. Il y a une descente et après on monte. Même Moshe Rabbeinu, il est passé par là. Est-ce qu'on a le droit de voir le Tikkun HaKlali, le avec le Tzadik, comme un... comme un style de Mounasula ou comme de la Bodhazara qui enlève cette différence entre la Fortuna et le Malchut? Non, le... Parce que c'est un truc magique, on dit, c'est comme si c'était un truc magique, on ne passe plus maintenant par essayer de faire comprendre la personne, tout ça, écoute, viens, c'est mieux, viens, tu vas te plaire, tout ça. Je le fais que je dis, il était un Tikkun HaKlali. Je m'y travaille au tzadik, je m'amène que le travail va se faire tout seul, magiquement. C'est pas magiquement, c'est que c'est il y a tous les langages. Tout le nian du tzadik, c'est qu'il connaît tous les langages. Le tzadik, il connaît tous les langages, c'est-à-dire que le tzadik lui-même, il représente la contraction de la lumière. Comme Yosef HaTzadik, il parlait toutes les langues. C'est-à-dire que le tzadik, il parle tous les langages. Donc le tzaddik, c'est la solution de tous les gens qui cherchent à connaître Hachem. C'est pour ça qu'on a une obligation de faire connaître le tzaddik. C'est comme ça qu'on va réparer le monde. C'est comme ça, Rabbeinu, il dit, quand tu verras que les gens s'intéressent au Likutei Moharan, que le monde s'intéresse au Likutei Moharan, alors tu peux savoir que Mashiach, il est très proche. Il y a eu des moments où le Mashiach, il était là, mais il n'y avait pas de langage. Voilà, aujourd'hui, c'est la Hiloula de Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, c'était Mashiach ben David. Et le Harizal, c'était Mashiach ben Yosef.
mais il n'y avait pas de langage. Il n'y avait pas de langage, c'est-à-dire que c'était pas un langage universel. La Kabbalah, c'était pas un langage universel. Quand elle est descendue, elle était réservée à une élite. Quand la Kabbalah est descendue, elle était révélée à une élite. Elle n'était pas encore, elle n'était pas devenue populaire encore. Alors quand Rabbi Shimon il est venu, il a rendu un peu plus populaire. Il a descendu un peu plus la Kabbalah dans un niveau plus accessible déjà par tous les gens qui étaient initiés à la Torah. Après, il est venu Baal Shem Tov, il a amené la Chassidut, c'est-à-dire que c'est devenu encore plus populaire. Après, il est revenu Rabbeinu, que même une pierre, il peut lui apprendre que Hachem dans le monde. On ne parle pas si c'est un juif ou il n'est pas juif, ou c'est une vache, ou c'est un arbre, ou c'est une plante, ou même si c'est une pierre, le bonhomme, ou même une pierre physique. Est-ce que cette force-là, ça va nous enlever le libre-arbitre? Non, ça n'enlève pas le libre-arbitre. Tu vois bien, si ça enlevait le libre-arbitre, il y a 200 ans qu'on aurait réglé le problème du monde déjà. Il y a le libre-arbitre. Mais c'est pas le libre-arbitre, il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il ait la émouna, que le tikkun haklali ça marche. Et il faut qu'il le lise, le tikkun haklali. C'est pas évident. Tu verras que des jours dans ta vie, tu auras des difficultés à faire le tikkun haklali. Parce qu'il y a des fois où c'est difficile. Comme on a dit, pourquoi on a parlé de faire des petites choses, de pas chercher les grandes choses, les petites choses? Parce que c'est difficile. Donc on attaque des petites choses pour pouvoir avancer. On s'attaque à des petites choses, on ne commence pas avec des grandes choses. On ne fait que des petites choses pour pouvoir arriver. Le tikkun haklali, c'est une grande refoua, mais ça guérit. De tout, puisque ça guérit la connexion, l'alliance, c'est-à-dire la connexion avec Hachem. C'est une méthode pour pouvoir connaître Hachem. Mais même le tikkun haklali, il faut le faire. Il y a des gens, ils ne savent pas lire. Ils veulent faire le tikkun haklali, ils ne savent pas lire. Alors ils le lisent en français ou ils le lisent en phonétique. Mais même ça, il faut arriver à l'amener jusque-là, amener que la personne... C'est pour ça que la seule chose qu'il y a à faire, c'est rien que de diffuser les paroles du tzaddik, c'est tout. Parce que le tzaddik, il a un langage universel. Ça inclut toutes les langues. Il n'y a personne qui peut. Il n'y a personne qui vient chez le tzaddik qui ne comprend pas. Ça n'existe pas. Il y a des fois de la résistance, des gens qui résistent, mais c'est un langage universel. Même si tu ne vois pas les fruits maintenant, tu le verras après. Mais du moment où la personne elle a trouvé un lien quelconque avec le tzaddik, alors la graine, elle est déjà plantée, elle va pousser doucement. Mais Rabbeinu, il est venu, il a amené un langage universel, c'est pour ça qu'il a garanti qu'il va faire en sorte que le Mashiach va venir et que tout le monde va être réparé et qu'il n'y aura aucun problème et que tout va se faire en douceur et que tout le monde va faire tchouva, tout le monde va reconnaître Hachem. Parce qu'il sait qu'il a un langage qui est universel. Seulement ce langage universel, il faut l'amener. Il faut l'amener jusqu'aux gens. Et la personne qui va le transmettre, il faut qu'elle-même ait une formation, c'est-à-dire un lien avec le tzaddik qui correspond à ce que le tzaddik il a donné. Parce qu'il y a des gens qui sont Breslev et tout, mais ils ne savent pas transmettre Breslev. C'est-à-dire, même dans Breslev, eux-mêmes, ce n'est pas des gens qui connaissent les paroles du tzaddik de manière à pouvoir les transmettre au niveau où les gens ils ont besoin. Donc tout ça, c'est ça qui fait traîner la Géoula, ça qui fait traîner la délivrance, que la délivrance, elle n'est pas là. C'est uniquement que le tzaddik, il est caché du monde. C'est la seule raison pourquoi les gens ils sont en retard. Et nous-mêmes, si on est loin d'Hachem, c'est uniquement parce qu'on ne connaît pas Rabbeinu, c'est tout. On ne connaît pas le tzaddik. On ne connaît pas assez. Si on connaissait plus, alors on sortirait de toutes nos bêtises, parce qu'on a des zones obscures en nous. Ces zones obscures, ça veut dire que la lumière, elle n'est pas arrivée là-bas. Donc on ne connaît pas le langage qui arrive à tel endroit. Le jour où ce langage, on va le connaître, il n'y aura aucun problème. Alors, tout ça, ça dépend combien on se rapproche. Combien on se rapproche, on reçoit des langages plus adaptés. Alors c'est le principe de Ohel, que Ohel aussi, c'est le même otiot que Léa. Ohel, c'est les lettres Léa.
c'est-à-dire c'est la prière. C'est la prière, c'est ce que Yaakov il devait prendre d'abord. Avant de prendre Rachel, il devait prendre Léa. Lui, il voulait prendre, Rachel d'abord. Et après, il voulait prendre Léa. Pourquoi ? Parce qu'il voyait que Léa, elle pleurnichait, elle était toujours en train de pleurer, tout, pour pas qu'elle tombe. Parce que elle, Léa, normalement, c'était la femme de Esav. Et Rachel, c'était la femme de Yaakov. Mais comme Léa, elle faisait que pleurer tout le temps, pour pas être la femme de Esav. Parce qu'elle voulait pas être la femme de Esav. Elle voulait pas. Elle voulait pas être la femme de Esav. Donc maintenant, ça, c'est sûr que ça la rend pas très belle. C'est-à-dire, c'est pas ça que. C'est pas ça que quelqu'un il va chercher, que tout le temps elle est en train d'essayer de fuir la soumission à la matière, la soumission à Esav, qui est la soumission à la consommation. C'est très dur. Alors Yaakov lui-même, il ne s'est pas rendu compte de ça, il ne savait pas. Il a fait qu'Hachem fasse tout le hinyan de Lavan pour qu'il puisse lui donner Léa en premier. Mais s'il n'y avait pas Léa en premier, il n'y aurait jamais eu Rachel, il n'y aurait jamais eu l'âme Israël. C'est qu'il fallait commencer avec Léa. Alors maintenant le Zohar dit que chacun, sa femme, elle inclut Rachel et Léa, les deux en même temps. Donc les gens, ils aiment bien s'occuper du côté Rachel, mais côté Léa, ça ne leur plaît pas. Parce que c'est le côté caché, c'est le côté difficile, c'est le côté de la stara. Alors les gens, ils ne veulent pas s'occuper de ça, mais ils ne savent pas que c'est ça la porte d'entrée à l'autre. Que quand tu règles ce problème-là, c'est-à-dire que de régler la reconnaissance d'Hachem dans les zones obscures, c'est-à-dire de prier pour que la lumière elle descende dans le cœur, c'est là après où la Chochma, qui est Rachel, elle va avoir une valeur. Parce que Léa, elle est beaucoup plus élevée que Rachel. Léa, elle vient d'un endroit beaucoup plus élevé que Rachel, puisque Rachel, elle est déjà dans de la révélation. Mais Léa, elle est tellement élevée qu'elle peut pas se révéler encore. Donc le travail, c'est d'aider Léa à se révéler. Ça, c'est beaucoup plus important que de faire briller, si tu veux, Rachel. Parce que Rachel, elle brille déjà. C'est la Torah, c'est la Chokhmah. Elle brille déjà. Mais maintenant, si tu veux, il y a un Yud et un Dalet. C'est-à-dire que la femme, elle a un côté Yud et un côté Dalet. Ou un côté Hé et un côté Dalet. C'est-à-dire un côté des choses qu'elle a déjà intégrées et des choses qu'elle n'a pas intégrées. Les choses qu'elle n'a pas intégrées, c'est là où il y a le travail. Donc c'est avec ça qu'il faut commencer. Donc Ohel, c'est même aussi autre que Léa, c'est-à-dire c'est de créer des systèmes de transmission adaptés au récipient, même dans n'importe quel état où il soit. C'est-à-dire on ne peut pas accuser les récipients d'être ce qu'ils sont. Il faut chercher tout le temps un langage qui suit la réalité. Il faut que la Torah, elle suive la réalité. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que comme il y a beaucoup de gens qui enseignent la Torah, mais qu'eux-mêmes, ils ne sont pas connectés au système de mise à jour. Ils n'ont pas les mises à jour. Alors à un moment, ils lâchent. À un moment, ils lâchent, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un fossé qui se fait entre les gens qui enseignent la Torah et les gens qui reçoivent la Torah. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de mise à jour. Il n'y a pas de upgrade. On ne fait pas les mises à jour. Mais il faut faire les mises à jour. Les mises à jour, ça se fait avec la tefila tous les jours, avec la itkashrut au tzadik, avec la recherche personnelle. C'est sûr que si un rav lui-même, il arrête de chercher, il ne peut plus transmettre. Parce qu'il va perdre de vue ses élèves. Puisque ses élèves, ils sont dans un autre monde. Et vu la vitesse à laquelle on tourne aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Parce qu'on tourne à une vitesse énorme. Énorme. Un père, s'il ne se renouvelle pas, il perd de vue ses enfants complètement. Parce que le système, il tourne très très vite. Alors qu'avant, tu avais, entre des grands-parents et des parents, tu avais un langage qui était à peu près, qui ressemblait. C'est-à-dire les gens, ils avaient à peu près les mêmes valeurs. Ils avaient à peu près les mêmes valeurs. Aujourd'hui, les valeurs, elles changent. Elle change très vite. Donc il faut que tu aies un upgrade tout le temps que tu fasses des mises à jour. Il faut une recherche permanente. Il faut que tu cherches la connexion tous les jours, pour pouvoir transmettre le langage qui est adapté au positionnement qu'il y a aujourd'hui. Tu ne peux pas aller chercher des vieilles références, ça ne marche pas. Alors maintenant, tout celui qui reste dans la connaissance et sans, sans,
sans prière, sans une recherche par rapport à cette connaissance-là, sa connaissance, elle va partir. C'est-à-dire, elle va partir. Elle va plus être usuelle. Elle va plus être utilisable. Elle sera plus utilisable. Comme je vous donne l'exemple toujours, si vous prenez un médecin, le plus grand médecin qui a vécu il y a 200 ans, aujourd'hui, si vous le faites travailler dans un hôpital, c'est un assassin. On va le mettre en prison s'il fait ce qu'il faisait il y a 200 ans. Parce que la médecine d'il y a 200 ans, ce n'est pas la médecine d'aujourd'hui. Donc maintenant, la Torah d'il y a 200 ans, ce n'est pas la Torah d'aujourd'hui. Quand tu lis un massé des tzadikim, comment ils vivaient il y a 200 ans et tout, c'est magnifique, tu comprends. Mais là où on est aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ça. Donc nous, on peut lire ces histoires, voir et tout, c'est très beau, ça nous inspire, mais c'est pas suffisant pour nous donner des solutions, puisque eux-mêmes, ils ne pouvaient pas imaginer les solutions qu'il fallait pour aujourd'hui. À part que c'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit, je suis avec vous, je reste avec vous, je ne m'en vais pas, je vais tout le temps avec vous. Parce que s'il n'était pas tout le temps avec nous, son enseignement, il serait parti avec lui. Rabbi nous l'a dit, tous les tzadikim, ils ont enseigné des choses, ils sont partis, ils ont emmené leur enseignement. Voilà, aujourd'hui, c'est la Hiloula de Rabbi Chaim Vital. Où est le Rachab Rabbi Chaim Vital? Qui est-ce qui étudie aujourd'hui Peretz Chaim, Esraim? Combien de gens ils étudient ça? Et les gens qui étudient ça, en général, ils sont déconnectés de la réalité complètement. Parce que les tzadikim, ils partent et ils emmènent leur yeshiva avec eux, ça y est. C'est-à-dire qu'il y a... Tous les mouvements de Balei Tshuva aujourd'hui, les gros mouvements de Balei Tshuva, mais tous les donateurs, pour les montées de flux qu'il y avait avant, comme Wolfson et tout ça, ils n'investissent plus dans les trucs de Balei Tshuva, ils n'investissent que dans la Dor Sheni. Ils disent, depuis qu'il y a eu l'internet et tout ça, ils disent qu'on n'investit plus pour faire des Balei Tshuva parce que ça ne sert à rien. On n'a pas les Kelly, la personne peut lui prendre une date de Gemara, comme on n'a pas les Kelly, deux minutes après elle est avec son internet, ces trucs, parce que ça ne sert à rien d'investir chez eux. On n'investit que dans la Dor Sheni de leurs enfants, c'est des. De faire des autres Balei Tshuva, des générations comme on n'a pas, bien sûr. On investit plus dans ça. Bien sûr. Ben, maintenant, il faut investir dans les deux, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est il faut être mitradesh. Il faut un renouvellement permanent. Parce que le monde, il avance à une vitesse vertigineuse, très grande. Regarde où on était il y a 25 ans ou 30 ans qu'on a fait le premier fax, qu'on a vu le fax, il sortait un bout de papier avec une lettre que quelqu'un l'envoyait d'un autre pays, on était émerveillé du fax, c'était quelque chose de révolutionnaire. Où c'est le fax aujourd'hui? C'est des trucs... Et qu'est-ce qu'utilise le fax? C'est que les banques, des trucs, je ne sais pas où, des trucs, et ça y est, les gens ne vivent plus avec le fax. Où on est? Dans quoi on est? Comment ça va vite? Maintenant, si tu n'as pas une Torah qui suit ça, ben, ta Torah, les gens ils vont la mettre au grenier, comme tous les trucs qui servent à rien. Ça va être une Torah de grenier. Ou ça va être une Torah qui fait grogner. Mais c'est pas une Torah qui va permettre aux gens d'avancer. Donc c'est pour ça que l'attente, ça veut dire le Ohel, c'est le langage adapté à la lumière. Donc quand on parle de tente, on parle directement de révélation de la lumière. Parce que du moment où tu as trouvé le langage, ça y est, la lumière, elle est révélée. Donc c'est pour ça que c'est le même mot. La lumière, c'est-à-dire le sentiment de la lumière et la tente qui sert justement à contracter la lumière, à l'adapter au récipient des gens, c'est le même mot, c'est la même chose. On voit là, maintenant, on dit la Sfirata Omer. Maintenant, qu'est-ce que c'est Sfirata Omer? C'est qu'on compte, oui. On attend le matin de Torah. Oui, qu'est-ce qu'on fait chaque jour du Omer? Voilà, on a compté. Maintenant, qu'est-ce qu'on a compté aujourd'hui? Chesed, chez Betiferet, oui. C'est ça, le 15. Chesed, le 15, c'est Chesed chez Betiferet. Maintenant, chaque jour, qu'est-ce qu'on fait? On attend sous un angle le matin de Torah. C'est-à-dire, on attend que quand est-ce que maintenant on va pouvoir recevoir la Torah. C'est-à-dire, cette attente-là, elle nous permet de faire des récipients pour recevoir la Torah. Maintenant, si vous voyez en français, quand en français, espérer, c'est quoi? C'est l'espoir, d'accord? Dans le mot espérer, il y a le mot sphira. Dans le mot espérer, il y a le mot
mispar, espira, dans le mot espérer. Maintenant, si tu prends en espagnol, par exemple, en espagnol, esperar, ça ne veut pas dire espérer, ça veut dire attendre. Espera un poco, attends un petit peu. C'est-à-dire, attends un petit peu. En espagnol, c'est attendre. En français, c'est espérer. Et en hébreu, c'est compter. Tu comptes les jours. Alors, quand tu comptes les jours, ça veut dire que tu as de l'espoir, que ça va être, puisque tu comptes les jours. Et en même temps, tu attends. Il y a dedans tout. Maintenant, eux, ils ont pris un côté, une autre langue, elle a pris un autre côté. Elle a pris une partie du sens du mot de l'hébreu, l'autre, elle a pris un autre sens du mot de l'hébreu. Mais tu vois que le maasé, quand tu vas dire à quelqu'un « attends », c'est difficile que quand tu vas lui dire « attends », tu vas en même temps lui dire « garde l'espoir ». Parce que dans le mot « attends », il n'y a pas l'autre. Il n'y a pas le mot « espérer » qui est en français. Si tu dis en espagnol, il va dire « attendre ». Mais il n'y a pas dedans l'autre côté. Mais en hébreu, quand tu vas dire « compter », alors en même temps, il y a le côté « attendre » et il y a le côté « espérer » dedans, dans le même mot. Donc tu vois, c'est des langages, il y a des langages qui sont plus adaptés. Alors des fois, tu es obligé de couper les langages, les mots en plusieurs morceaux pour que la personne elle, puisse comprendre. Parce que tu ne peux pas lui dire un mot « compte », parce que ça va pas suffire. Alors tu es obligé de lui casser le mot en plusieurs notions, tu vois. Tu lui donnes la notion d'attendre, la notion de ne pas perdre l'espoir. Tout ça, c'est inclus dans le fait de compter. Et chaque jour, les maasés, c'est un angle. C'est-à-dire, on répare un angle d'une approche, c'est-à-dire d'un langage de comment se rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire, on répare ce qui nous a empêché de voir Hachem dans cette sphira-là, c'est-à-dire dans cette ce keli, ce récipient, ce comportement. Alors, Ohel, la chône, ils disent Richato, comme Behilo Nero. Donc, comme c'est écrit Beliho, Behilo Nero, Behilo Nero, ça veut dire quand son air, quand sa lumière, elle va briller. C'est écrit dans Yov, ça. Vezeu Bahem, allié d'Israël. Et c'est ça, Bahem, c'est-à-dire allié d'Israël. La Shemesh, Sam Ohel Bahem, c'est-à-dire le tzaddik, tout ce qu'il va recevoir, c'est par rapport au Ham Israël. C'est pour le Ham Israël, c'est par le Ham Israël, c'est pour ça qu'il va recevoir cette lumière-là. Ou chez Israël, chaz v'shalom nichnasim b'chokhmot chitzoniot shel ha'umot. Quand les Bnei Israël ils rentrent dans les chokhmot chitzoniot, c'est-à-dire les sagesses étrangères, les connaissances étrangères. Azay nofel atzadik me'asagato. Alors le tzadik il tombe de sa connaissance d'Hachem. Venit trapper, venit casser à sa gâteau. Et sa connaissance qu'il avait d'Hachem, elle se recouvre et elle se cache de lui. Ça veut dire que du moment, eux, où ils ont été cherchés à l'extérieur, comme Boaz dit à Ruth, ne va pas glaner dans les autres champs, reste dans mon champ. Ne va pas glaner dans les autres champs. Maintenant, qu'est-ce que c'est les chokhmot chitzoniot? Qu'est-ce qui s'appelle les connaissances, les sciences, les connaissances extérieures? Ça s'appelle les connaissances déconnectées. C'est ça qui s'appelle les connaissances extérieures. Tout ce qui est déconnecté, ça s'appelle extérieur. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas lié avec les mondes supérieurs, ça s'appelle extérieur. Pourquoi? Parce que la personne, elle est en train de tourner en circuit fermé. C'est-à-dire qu'elle elle analyse la vie, elle gère la vie qu'avec des éléments de ce monde. Elle ne gère pas la vie avec les éléments de l'autre monde. Donc quand tu gères qu'avec ce monde, ça s'appelle Chokhmot Chitzoniot. Maintenant, quand le Ham Israël il tombe là-dedans, quand le Ham Israël il fonctionne comme les nations, que les nations elles tournent avec les éléments de la matière, avec les éléments de ce monde, alors le tzaddik il tombe de sa compréhension d'Hachem. Parce que du moment où il n'est pas arrivé à connecter le Ham Israël, alors le tzaddik lui-même, il tombe dans la Stara. Parce qu'il n'est pas arrivé à connecter le Ham Israël. Lui-même, il perd sa connaissance. Parce qu'il n'est pas arrivé à en faire profiter le Ham Israël, c'est-à-dire elle ne lui a pas servi. Elle ne lui a pas servi. C'est-à-dire qu'il n'en a pas fait de l'utilité. Donc Hachem, il dit, moi je ne te donne pas de connaissance
qui n'est pas utile. Donc si tu n'es pas arrivé à en trouver une utilité, donc je te l'enlève, c'est-à-dire lui-même il rentre dans l'astara. Alors les connaissances extérieures, c'est ça, c'est quand les gens ils se débrouillent qu'avec le système binaire de ce monde et ils n'arrivent pas à vivre avec une troisième dimension qui est la Emouna, qui est l'intervention de l'autre monde. Ils pensent comme ça ou ils pensent comme ça. Comme je vous avais dit, Rav Gershon, à la Vachalom, une fois, il y avait un élève qui était très malade à Chambéry, à l'hôpital de Chambéry, un élève de la Yeshiva d'Aix-les-Bains. Et Rav Gershon, donc il a été de là-bas pour lui rendre visite, tout ça. Alors le docteur, il lui a dit, voilà ce qu'il a, etc. Il lui a dit, vous savez, il en a pour une semaine, pas plus. Alors Rav Gershon lui a dit, ça, vous n'avez pas le droit de dire. Ça vous est pas le droit de dire, parce que combien de temps il va vivre, ça vous dépend ni de vous ni de moi. Donc ça vous pouvez pas. Là, vous avez outrepassé votre compétence. Voilà, vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous avez le droit de dire qu'il a diagnostiqué, il a ça et ça. Mais maintenant, de dire qu'il va vivre tant de temps, ça c'est pas vous de, ça c'est pas vous qui décidez. Donc ça c'est des choses. C'est ça les chokhmot tritsoniot, c'est-à-dire que les gens, à un moment, ils arrivent même à prendre des conclusions dans des domaines qui n'est pas leur compétence. Ils sont capables de dire à quelqu'un, il ne va pas réussir dans sa vie. D'où tu sais qu'il ne va pas réussir? Il y a des gens, ils ont réussi, ils ne savent pas lire. Ils ont réussi. D'où tu sais qu'il ne va pas réussir? D'après quel... Ça, tu n'as pas le droit de dire, tu vois, par exemple. Tout ça, c'est des choses qui appartiennent à la troisième dimension. Donc, c'est des domaines, tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un qu'il ne va pas réussir, qu'il restera un idiot, qu'il va être malade, qu'il ne va pas avoir d'enfant. Tu n'as pas le droit. Voilà, ici, on a à côté Shimon Shapira. Que sa femme, elle n'avait pas. Elle était mariée avec un monsieur qui est mort dans un attentat qu'il y avait eu à Emmanuel il y a, je sais pas, 20 ans ou 25 ans dans un bus. Et lui, Shimon Shapira, il a perdu sa femme. Il s'est marié avec lui, il était veuf. Il est marié avec cette veuve-là. Maintenant, cette femme, elle n'a jamais eu d'enfant dans sa vie. Quand est-ce qu'elle a eu des jumeaux? Elle avait 54 ans. Elle a eu des jumeaux. À 54 ans, elle n'a jamais eu d'enfant dans sa vie. Alors, qu'est-ce que quelqu'un il dirait? C'est pas possible. Qu'est-ce qui est pas... Les gens, ils commencent à le problème, c'est qu'ils outrepassent leur fonction, c'est-à-dire ils font tourner les choses dans la matière, c'est-à-dire dans le système binaire, et après ils te glissent au milieu une idée d'une troisième dimension. Mais ça, t'as pas le droit de faire ça. La troisième dimension, ça t'appartient pas. Ça s'appartient à Hachem. Hachem, il décide qui est-ce qui va réussir. Hachem, il décide qui est-ce qui va vivre. Hachem, il décide qui est-ce qui va se marier. Hachem, il décide qui est-ce qui va avoir des enfants. Hachem, il décide quelqu'un qui va avoir une maison. Tout ça, c'est Hachem qui décide. Donc tout ça, tu peux pas dire, tu n'as pas le droit de dire ça. Alors le problème, c'est que les gens, ils raisonnent dans des raisonnements de binaire, c'est-à-dire de ce monde. Et après, ils tirent des conclusions qui sont des conclusions qu'ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de rentrer là-dedans. Alors quand le Ham Israël, il tombe dans ces choses-là, alors automatiquement, le tzaddik, il perd sa compréhension. Parce que le Ham Israël, il est tombé dans des compréhensions qui sont des compréhensions logiques de la matière. Ça veut dire que le tzaddik, il n'est pas arrivé à les récupérer. Donc il tombe lui-même. Quand maintenant les bénis Israël ils sortent de ces chokhmot, c'est-à-dire de cette façon de voir des nations, à ce moment-là, il est comme un khatan, un jeune marié, qui sort de sa choupa, qui sort de son dénuptial. Donc le tzaddik, il ressort du couvercle dans lequel il était, de ce qui le recouvrait, Shayalo Adachat Shab, qu'il avait jusqu'à maintenant. Vasa Ve'az, et à ce moment-là, Yassis Kegibor la route Sorach. À ce moment-là, le tzaddik, il court avec beaucoup de joie, et tout sur le chemin. Parce que les tzadikim, ce sont des gens très forts qui font la parole d'Hachem pour entendre la parole d'Hachem. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire des choses qui vont les amener à comprendre d'autres choses.
Donc après, le tzadik commence à rentrer dans un système accéléré. Pour ça que Rabbi Nathan dit que quelqu'un qui va au man, et non seulement, c'est-à-dire lui c'est, ça va l'aider à lui, et que le tzadik, il va pouvoir le réparer à lui, mais il permet au tzadik, comme le tzadik qui descend pour s'occuper de lui, puisque maintenant il vient sur la tombe du tzadik, donc le tzadik il est obligé de descendre, puisque quelqu'un vient le voir sur sa tombe. Donc le tzadik, il descend pour venir aider cette personne et répondre à sa prière, etc. Donc quand le tzadik il descend, il va aider aussi beaucoup d'autres gens qui n'ont pas prié, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas du tout envie de prier, rien du tout. Le fait qu'il se trouve déjà là, alors il va régler aussi beaucoup d'autres problèmes en même temps. C'est pour ça que celui qui va, même si quelqu'un il a été une fois, ou deux fois, ou trois fois, ou cinq fois, le fait que maintenant il va, à chaque fois qu'il va, il permet au tzadik de descendre et de pouvoir se mettre en contact avec toutes les âmes qui ont un rapport avec cette personne-là, ou qui ont peut-être pas un rapport. Rabbi Nathan, là-bas, il ne dit pas que spécialement il y a un rapport avec lui, mais le fait que lui, il crée un appel pour le tzadik, ça permet au tzadik de descendre. Et donc, quand il va descendre, il va descendre pour toute l'humanité, pas que pour lui. Il y a beaucoup de gens qui vont profiter du fait que le tzadik il est descendu. Donc c'est pour ça que Rabbeinu l'insiste sur son Rosh Hashanah, qui dit que il est tellement important, et que chacun qui vient, alors ça fait avancer énormément la réparation du monde, et ça va en exponentiel. C'est-à-dire que c'est de plus en plus, vous voyez qu'il y a des gens de plus en plus qui se rapprochent du judaïsme, qui étaient très très loin. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun rapport avec ça, qui était complètement à côté. Mais ça vient du fait que le tzadik qui descend dans des zones qui sont des zones qui étaient complètement ignorées avant de la conscience, de la présence divine. C'est des zones où les gens ne savaient pas. Ils ne savaient pas que ça existait. Combien de gens ils te disent « je ne savais pas ». Je ne savais pas, j'ai grandi. Même des gens, ils allaient à la synagogue et tout, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'il y avait Hachem. Ils allaient à la synagogue, bon, parce que bon, on doit aller à la synagogue et tout. Mais ils ne savaient pas qu'on peut vivre avec un lien avec Hachem dans la joie, qu'on peut servir Hachem là où on se trouve. Tout ça, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que ça existe, cette dimension-là. Alors le tzadik, il donne cette dimension parce qu'il trouve la connexion, c'est-à-dire le langage adapté à chacun. Et ça vient de ceux que eux-mêmes, qui sont déjà conscients, eux, ils doivent développer beaucoup plus les systèmes. Du moment où quelqu'un il est conscient, alors il doit développer beaucoup plus que... Et puis, puisque maintenant quelqu'un maintenant il peut être accusé de non-assistance à personne en danger. Quelqu'un qui sait quelque chose et il ne le transmet pas, il va être accusé de... Il est accusé déjà de non-assistance à personne en danger. Imagine-toi que maintenant tu as découvert le médicament de la maladie et tu le gardes, tu le transmets pas. Mais tu peux être accusé d'assassinat. Tu dis comment? Tu as le médicament, tu ne le transmets pas. Mais tu es cruel, c'est cruel. Quoi, tu le gardes pour toi, pour truc, qu'est-ce que tu vas faire avec toi? Ok, tu t'es soigné un petit peu, toi, avec. Mais les autres? Alors tu ne vas pas se faire savoir. Tu ne vas pas dire au monde qu'il existe un médicament comme ça. Rabbi nous l'a dit, il faut crier, il faut dire au monde. Voilà, il y a les comptes Rabbi Nachman, il y a ça. Tout ce que tu peux, mais il faut transmettre, il faut dire que ça existe. Il faut annoncer aux gens que maintenant, si la personne elle prend le médicament ou pas, ça c'est plus ton problème déjà. Toi, ce que tu dois, c'est lui faire savoir qu'il y a un médicament qui existe pour sa maladie. Après, lui, il va doucement, il va prendre. Mais si quelqu'un ne fait pas ça, c'est très grave. Comme je dis, Rabbi Yochanan, il a dit avant de mourir, je ne sais pas si on m'emmène au paradis ou en enfer. Alors ses élèves, ils lui ont dit, comment, vous, Rabbi Yochanan, on va vous emmener en enfer. Il a dit, c'est pas moi qu'on va emmener en enfer. On va m'emmener en enfer et je vais voir tous les gens que je pouvais aider et qui n'auraient pas été en enfer si je les avais aidés. Et je ne les ai pas aidés. Je ne me suis pas occupé d'eux. C'est ça qui me fait peur. C'est pas que moi je vais aller en enfer, moi je n'ai pas fait des bêtises pour aller en enfer. Mais on va me faire montrer, tu vois celui-là. Ah ben celui-là, tu te rappelles un jour, il est venu chez toi, tout ça, truc et tout, et tu n'avais pas le temps, tu l'as jeté, tu l'as reçu avec une tête de tu t'es énervé, tout ça, tu étais énervé, tu t'es pas occupé de lui, tu ne lui as pas fait un sourire, tu ne lui as pas offert un café, un truc. Ah ben voilà, il est parti, voilà ce qu'il est devenu. Ah maintenant, tu vas payer l'addition, c'est tout.
Tu avais le moyen de le soigner, tu ne l'as pas fait. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Et voilà, chacun là où il est, c'est comme ça. Chacun où il est, il peut pas dire « Ouais, mais moi j'ai trop de trucs à faire, je suis occupé. » On te demande pas maintenant d'ouvrir un centre de transfusion de rabbinaux. On te dit là où tu es, c'est tout. Là où tu es, tu t'habitues à avoir un œil sur le monde, que ces gens-là, ils ont besoin d'un médicament. Et ce médicament, tu l'as dans ta poche, c'est tout. Voilà la conscience que tu dois avoir. Et du moment où maintenant tu vas parler avec quelqu'un, de n'importe quoi, du moment où toi tu es attaché, ça va lui donner un contact avec le tzaddik, et la personne elle va commencer à prendre conscience de l'existence d'Hachem. Que ce soit un juif ou un non-juif ou n'importe quoi. Ou que ce soit tout ce qui existe sur Terre, tous les éléments qu'il y a sur Terre, ils sont déjà en rapport avec le tzaddik, seulement tu dois faire une connexion réelle, c'est tout. C'est-à-dire, potentiellement, ils sont tous connectés avec le tzaddik, mais tu dois faire une connexion réelle. Et cette connexion, elle va se faire. De toute façon, elle va se faire. Il n'y a pas de... Alors, se mettre là-dedans, parce que de toute façon, c'est ce qui va se faire. Tout le monde va arriver à ça. Donc, plus tu feras cette connexion-là, et plus tu fais avancer la Géoula, Bezant Hashem. Voilà, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Rabbi nous dit que Rosh Chodesh c'est le Chorech de la Tchouva. C'est la racine de la Tchouva, puisque c'est le jour où Hachem lui-même, comme on l'a dit dans le Moussaf de Rosh Chodesh, Hachem lui-même il regrette qu'il a diminué la lune. Donc ce fait que Hachem il regrette qu'il a diminué la lune, ça nous permet à nous de faire Tchouva. En disant, si toi Hachem tu as diminué la lune, tu comprends nous dans quelle situation on est. Parce que diminuer la lune, ça veut dire cacher la lumière d'Hachem dans la matière. Donc tu as caché ta lumière dans la matière. C'est sûr que nous, on a des difficultés à te trouver dans tous les domaines. On voudrait te voir partout, mais on n'arrive pas. Mais Bezat Hachem, par le Sroud de Tzadikim, par le Sroud de Rabbeinu, on va arriver. En chérif ou Hachlema, en Hachem, en Hachem, une refoua pour tous les malades et de la parnassa, Bezat Hachem, pour tout le monde, du Shalom Bayit, des Ivogim, que les gens se marient. Et de la joie dans le cœur, la montée en Eretz Israël, qui est de la paix dans le monde. Et qu'Hachem il fasse passer aux élections celui qui est bien pour faire connaître Hachem dans le monde. Nous, on ne sait pas quelle grand-mère c'est la grand-mère Macron ou la grand-mère Le Pen. On ne sait pas quelle est la meilleure grand-mère. Et Hachem il choisira qui c'est la meilleure grand-mère pour le monde, Bezant Hachem. Mais Hatzlacha, on se retrouve demain. Zakou Barou, Zakou Barou.